Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans ce temps de pause, un temps que nous allons soigneusement mettre à part dans nos vies trop bien remplies. Un temps gratuit pour nous reposer, poser nos bagages et pour nous ressourcer, avant de reprendre la route pour une nouvelle semaine. Un temps pour être présent à nous-mêmes et à Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur envoie sa parole sur la terre. Elle vient habiter parmi nous. Ouvrons-lui nos portes. Amen. Louons le Seigneur avec le psaume du jour, le psaume 85. Loué sois-tu, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, loué sois-tu, Seigneur, tu écoutes ma prière, tu entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre louange en chantant. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie. De la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie. De la terre à la croix, pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel.
Dieu pose sur son Église et sur chacun de nous un regard de tendresse. Il veut que nous allions de l'avant, malgré nos craintes et nos doutes. Il nous ouvre l'avenir. Dieu rend vraiment libres ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à la prière. Je voudrais, mon Dieu, tenir les ficelles de ma vie, être maître des événements, conquérir ma propre destinée, gagner mon salut à la sueur de mon front et de ma pensée. Mais alors je te prie, sauve-moi de moi-même et ouvre-moi à toi. Je cède volontiers au chant des sirènes et aux langues des serpents, qui me laissent entendre que je peux être le centre du monde, que je façonnerai à ma guise, selon mon bon plaisir. Mais alors je te prie, sauve-moi de moi-même et recentre-moi sur toi. Je me laisse tenter par l'idée qu'être libre, c'est décider soi-même, dicter sa propre loi, ne tenir compte que de soi, penser avec satisfaction n'avoir besoin de personne. Mais alors je te prie, sauve-moi de moi-même et rends-moi libre en toi. Amen. Recevons l'annonce du pardon. Par ton évangile, quelque chose se ferme pour que s'ouvre l'infini. Si tu nous dépossèdes, c'est pour nous ouvrir à l'abondance. Par ton évangile, nous sommes les heureux dépouillés de nos encombrements. Notre soif est pleine comme une outre que tu gonfles de ton eau. Le manque est converti en partage, les mots en silence et la parole en mots. Par ton évangile, l'absence révèle la présence. Nos écarts nous font converger vers le cœur. Si tu t'éloignes, c'est pour nous rejoindre ailleurs et nous bénir encore d'un déplacement nouveau. Par ton évangile, la mort est convertie en naissance. L'incarnation fait de nos corps des maisons d'éternité, et ce qui dort enfin frémit sous la voix du ressuscité. Amen. Ton amour, ta puissance.
Une première lecture ce matin, la lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Amen. Ce matin, nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 24 à 43. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent et lui dirent « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Et il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur « Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. » La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font du mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil, dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu sèmes ta parole dans le monde et dans nos cœurs, mais le champ de nos vies n'est pas toujours prêt à te recevoir. Prépare-nous. Arrache de notre champ les pierres, les épines, les soucis qui nous empêchent de t'accueillir. Et fais de nous une bonne terre, ouverte à ta parole. Amen.
Il m'est donné aujourd'hui de vous annoncer la bonne nouvelle qui se niche, gardons à l'esprit la nature dont il est question dans l'évangile de Matthieu, dans les textes proposés ce dimanche. Je voudrais, avant de méditer sur cet évangile, justement, arrêter quelques instants sur l'un des textes lus que je trouve magnifique, tiré du livre de la Sagesse, parce que là se situe déjà la bonne nouvelle. Dieu, toute puissance, toute force, domination, plénitude. Mais ce n'est pas une puissance qui écrase. Dieu prend soin de toutes choses, juge avec indulgence, gouverne avec beaucoup de ménagement. Si je faisais cette prédication à des tout petits enfants, voyez-vous, j'aurais volontiers comparé ces deux faces de l'Éternel à cette merveilleuse histoire d'Ernest et Célestine. Ce grand ours si puissant, sûrement très féroce en d'autres circonstances, si tendre, si attentionné à l'égard de cette si petite, petite souris qui vit à l'ombre de ce géant en totale confiance. Lui-même si humain, elle-même si humaine. Et ainsi Dieu nous apprend à être humains. Et dans notre humanité siège de tant de merveilles, mais aussi de faux pas, d'erreurs, de cibles manquées. Il nous propose un chemin de conversion, c'est-à-dire qu'il ne nous laisse pas empêtrer dans nos médisances, nos jalousies, nos impatiences, nos arrogances. Il nous offre l'espérance d'un monde meilleur, c'est-à-dire qu'il croit en notre conversion et par là même à notre chemin vers son royaume. J'en viens maintenant à l'évangile de Matthieu, si connu, le bon grain et l'ivraie. Là encore, dans ce long texte au chapitre 13, versets 24 à 43, comme dans la parabole du semeur précédant celle-ci, Jésus use de deux stratagèmes pour tenter d'enseigner le peuple dont le cœur est devenu, et là je cite le texte de dimanche dernier, insensible, dont les oreilles sont endurcies et les yeux fermés. D'une part, premier stratagème, il fait connaître son enseignement par une parabole, cette figure de rhétorique qui invite l'auditoire à y rechercher la vérité qui est sous-entendue. L'homme doit donc faire un effort pour comprendre le message que Jésus délivre, pour se rapprocher de Dieu, le comprendre. C'est en quelque sorte un acte volontaire. D'autre part, deuxième stratagème, Jésus utilise le thème de l'agriculture et donc de la nourriture pour rapprocher ses cœurs endurcis. Le semeur hier, la graine de moutarde, la levure pour faire du pain, le blé est livré aujourd'hui. Ce thème est accessible à tous, car à cette période, le monde était agricole et le cultivateur proche du consommateur. Et livrer signifiait beaucoup plus que ce que nous évoque aujourd'hui la butylone théophraste, la nélia panicule ou la renouée persicaire. Si le tri était mal fait entre le blé et l'ivraie, la population savait parfaitement qu'elle en serait malade. Car, mauvaise herbe toxique, l'ivraie pouvait provoquer des nausées, des malaises, voire des empoisonnements. Mais voilà, le monde du Seigneur n'est pas le monde selon Monsanto qui éradique les plantes qui ne sont pas normées. Ou encore le monde de la DPIA, diagnostic qui permettrait d'éliminer systématiquement tout embryon qui ne représenterait pas le nombre normal de chromosomes, c'est-à-dire une sorte de mauvais humain comme il y a des mauvaises herbes. Non, dans le monde terrestre de Dieu, tout est accueilli, des graines en tout genre, des bonnes et des moins bonnes, des ronces et de l'ivraie, du blé et de la moutarde. Il y en a partout, sur les chemins, dans les pierrailles, dans les sols profonds, dans les ronces. Donc voici un paysan qui sème de bons grains de blé. Tandis que les gens dorment, l'ennemi sème de mauvaises herbes. Zélés, les serviteurs veulent en supprimer les jeunes pousses lorsqu'elles apparaissent, ce que le maître refuse pour ne pas arracher les jeunes pousses de blé en même temps que l'ivraie, sachant que les deux se ressemblent à s'y méprendre. Ainsi, le bon grain est condamné à vivre, à grandir aux côtés de la mauvaise graine. Il me semble que nous pouvons tour à tour endosser chacun des rôles ici présentés,
Nous pouvons être ce semeur de bon grain qui veut faire naître de son champ une belle récolte. Pour cela, il la soigne, il l'entretient, il l'arrose, au même titre que celui ou celle, finalement, qui veut que sa foi porte des fruits. Il ou elle l'entretiendra par la prière, des chants, la lecture de la parole, des méditations. Nous pouvons également être ceux qui dorment. Veillez car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. S'assoupir dans la foi, laisser entrer l'ennemi dans notre nuit. La nuit du doute, la nuit de l'incompréhension, la nuit de la remise en question, la nuit du rejet de textes trop compliqués ou trop violents à notre goût. Nous pouvons aussi être le serviteur zélé qui veut faire le ménage dans ce champ. Faire le tri entre les bons et les mauvais. Je ne sais pas si vous jardinez, mais j'en témoigne. J'ai semé des carottes. En même temps que de minuscules plants de carottes ont poussé une sorte de mauvaise herbe. Bien sûr, j'ai voulu dès lors faire le tri, zélée jardinière que je suis. Mais lorsque j'ai voulu arracher les uns, les autres sont venus en même temps. J'ai donc attendu d'une part pour que les carottes se renforcent et d'autre part pour être sûre que je n'arracherais pas une plante au bénéfice qui m'était alors inconnu. Finalement, j'avais une méconnaissance de cette flore. En effet, j'ai appris que ce type de mauvaise herbe aux racines très profondes et fines, comme le liseron ou la setaire verticillée, ont la propriété d'aérer les sols trop compacts pour que les plantes, les bons grains, puissent y pousser mieux. Ainsi, le danger de se décider est de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Hors de nos potagers, qui sommes-nous pour décider de ce qui est bien et de ce qui est mal? Pour distinguer qui est bon et qui est méchant, qui est dans la vérité ou qui ne l'est pas, qui a le droit de vivre ou pas. D'autant plus qu'en fonction de notre pays, notre culture, notre religion, le bon change de camp. Et nous pouvons être les grains. Mais alors, sommes-nous si sûrs d'être le bon grain, du bon côté de la faux? Comment poussons-nous? Comment grandissons-nous? Je voudrais ici reprendre une réflexion de Jean Racine dans « Plainte d'un chrétien » sur la contrariété qu'il éprouve au-dedans de lui-même, qui peut expliquer cette délicate position. « Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. » Et la bonne nouvelle est là. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, etc. C'est QFD. Ce n'est pas à nous de décider qui est bon ou qui ne l'est pas. Ce n'est pas à nous de supprimer, trier, brûler. L'Éternel s'en charge. Je dirai. Et il désigne lui-même les moissonneurs qui s'occupent pour lui de cette mission. C'est lui, et c'est le cas de le dire, qui veille au grain. Alors nous, soyons au gré du vent, des semailles et des moissons, le cultivateur qui sème du bon grain, qui veille et s'occupe avec attention et amour de son jardin, de sa terre, de la terre. Ou ce grain dont le job est déjà de pousser, de grandir, de devenir un beau grain de blé à l'épi jaune et généreux. Cette belle carotte orange riche en nutriments et aux fans abondantes. Et accordez-moi ce trait d'humour qui s'occupe de ses oignons. Soyons cet être humain qui ne juge pas, qui ne fait pas de zèle en son nom propre et dont toute l'énergie se focalise sur être meilleur plutôt que de combattre le mal. Amen. Jésus, sois de
Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Maintenant le temps de l'offrande. Comme je le disais la semaine dernière, il est facile lorsque nous sommes au temple d'annoncer le temps de l'offrande, puisqu'il fait partie de la liturgie et que nous voyons nos jeunes se précipiter sur les corbeilles pour passer parmi les paroissiens. En vidéo, c'est plus compliqué
et peut-être même un peu plus intrusif. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur la responsabilité des paroisses. Il est important de savoir que l'Église vit exclusivement des dons. Elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement, que ce soit l'entretien des locaux, de la voiture du pasteur, la jeunesse, la catéchèse ou toute autre activité paroissiale. Il en est de même pour la rémunération des pasteurs. Votre don permet donc à l'Église de vivre ses missions, mais aussi de vous accompagner jour après jour. Néanmoins, l'Église ne vit pas seulement de dons financiers. Pour vivre, elle a besoin également de chacun de nous. Alors je vous invite, pendant ce temps de vacances, ce temps de pause, à réfléchir à vos engagements. Engagement familial, engagement individuel. Peut-être voir les priorités de la rentrée et identifier comment vous pouvez aussi apporter votre aide. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Le bulletin paroissial arrivera ou est déjà arrivé dans vos boîtes aux lettres. Il contient toutes les informations de la rentrée. Il sera complété au fil des annonces. Si vous souhaitez le recevoir, vous pouvez en faire la demande au pasteur ou à un des membres du conseil presbytéral ou simplement par mail à l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran. Le site de la paroisse est également le lieu où vous retrouverez l'activité de la paroisse mise à jour régulièrement. Toujours trois dates à noter pour cette rentrée. La réunion de rentrée avec les jeunes et les parents qui se tiendra le samedi 5 septembre à 14h30 à la grande salle du presbytère 4 rue de l'ancien champ de foire. L'assemblée générale qui se tiendra elle le dimanche 6 septembre à 10h au temple de Niort. Et le culte de reconnaissance de ministère de notre pasteur Alain-Georges Nougat qui aura lieu le samedi 12 septembre à 15h à la halle des Peupliers à Noron. Il sera suivi d'un apéritif et d'un repas. Dans le cadre de la programmation annuelle du musée du Poitou protestant, il vous reste une date pour participer à la balade commentée des sentiers huguenots. C'est le mercredi 29 juillet à 9h30 au départ du musée du Poitou protestant de Beaussée. Alors il faut les appeler avant pour pouvoir réserver. Dans l'attente de ces rendez-vous, nous vous attendons dimanche prochain à 10h30 au temple de Niort, dans le respect des gestes barrières, ou sur le site internet de la paroisse ou la chaîne YouTube pour le culte vidéo qui est maintenu tout l'été. Je vous souhaite une très belle semaine et un très bon dimanche. C'est maintenant le temps de la prière d'intercession. Prions. La face de la terre est le champ où tu sèmes. Il nous tarde, ô Père, de voir le grain levé. Quand nous voyons l'ivraie pousser avec le blé, quand le bien et le mal se mêlent dans nos vies, quand s'obscurcit ta parole, quand elle est trahie, défigurée, conservée jalousement, quand vient à s'affaiblir l'espoir au cœur de l'homme, quand le doute nous prend au carrefour des chemins, ô Père, envoie ton esprit. La face de la terre est le champ où tu sèmes. Sur tous ceux que tu aimes, sur tous ceux qui te cherchent, sur tous ceux qui pensent t'avoir trouvé, sur tous ceux qui prononcent ton nom, sur tous ceux qui ne l'ont jamais entendu. Ô Père, envoie ton esprit. La face de la terre est le champ où tu sèmes. Il nous tarde, ô Père, de voir le grain levé. Sur tous ceux qui portent témoignage à l'Évangile, sur tous ceux qui œuvrent pour le royaume, cachés au cœur du monde et sans efficacité apparente, sur tous ceux qu'on écoute et qui entraînent les autres, sur les ouvriers de la première heure et sur ceux qui se mettent au travail au dernier moment. Ô notre Père,
Envoie ton esprit. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est maintenant la fin de ce culte et je remercie tout particulièrement Odile qui nous a rappelé la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Dieu n'est pas une puissance qui écrase, Dieu prend soin de toutes choses, Dieu est amour et aime les hommes. Oui, il nous aime, nous sa terre, qui portons en nous le bon grain et l'ivraie. Nourris de cette bonne nouvelle, nourris de cette espérance, allez frères et sœurs en Christ, allez. Reprenez le cours de vos vies, fertilisez votre bon grain. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les paroles des prophètes. Examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bien, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Et je vous souhaite un très beau dimanche et une très belle semaine à venir. Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant.